Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir que nous rejoignons sur Channel Panouan, tant de causer, jeudi à samedi 18 décembre 2021. Nous comptons là pour nous capables de porter ben nous bonjour information. Première information que nous gagnons pour nous, c'est concernant dossier la mort Jovenel Moïse. 5 Colombiens qui ont participé dans la mort Jovenel Moïse, parlé. Nous prenons saisir dans des saoudis. Jovenel Moïse a fait gros tentative pour gagner un tribunal international qui pour enquêter et puis mettre en bas compte tout le monde qui a participé, soit directement ou bien indirectement, dans la mort Jovenel. Gen gros résultat, Jovenel est en juin dans ce sens-là. Nous prenons tout le détail, t'as des comme ça. Michel Martelly décide de camper toute balle qui a pour la jouer pendant fin année. Après New York Times, un journal américain t'a fait quoi? Il t'a participé dans la mort Jovenel Moïse. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, invité Jude Jacques Elibert, qui est ancien directeur ONI, pour venir répondre à la question de la justice. Selon information qui vient de nous, Mister t'a semblé impliqué dans le vol d'Elco. C'est pas seulement Delco, non, en pile matériel qui était dans le local là, et bien c'est même l'hypothèse tout aller. Mes amis, là nous parlons tant de causer sur dossier ça. Et enfin, nous parlons coup de pied dans Corée du Nord. Mes amis, c'est incroyable. Pendant 11 jours, moun pa gen droit ri au Corée du Nord. Nous parlons saisir tendre pour qui ça. Mais avant nous toujours prendre un petit temps pour nous remercier nous tous pour support nous. Tande Koze, c'est un channel qui a fait tout effort pour bailler information yo Jean Yoye. Nous éviter créer buzz. De ce fait, c'est nous mêmes qui pour supporter nous. Les nous like vidéo nous yo, les nous partager vidéo nous yo avec amis, avec famille. Et puis nous capable font bagaille qui très simple. Prends lien vidéo ça, partager sur Facebook. Donc ça capable aider nous une façon pour nous capable grandir faire ça parce que ça pas coûter un goud aider nous avancer dans sens ça. Mes amis, on nous commencer ensemble avec information yo dossier la mort Jovenel Moïse. Un reporter CNN t'al font ti parler ensemble avec Colombien yo en dans pénitencier. À noter c'est 26 Colombiens ak de Haïtiano Américain qui était entré dans chambre président jou qui était 7 juillet pour yotal assassiner. Plusieurs nan Colombien sa yo a pigé peine yo kounia pénitencier. 5 nan Colombien sa yo reporter CNN yo té rivé font ti parler ensemble avec yo. Nous pral saisi tande sa yo di. Mais sa yo di yo rivé en Haïti en juin 2021. C'est une compagnie sécurité qui relait CTU qui t'est embauché comme sécurité privée. Une compagnie ça te promet 2 700 $ à 3 000 $ par mois. Et nèg yo t'est accepté travail ça. Mais malheureusement, selon ça que yo dit, yo pas jamais rivé toucher un centime dans cob yo t'est promet yo. Ça veut dire compagnie ça pas jamais payer nèg yo. Eh bien CNN entré en contact ensemble avec compagnie sécurité ça qui est le CTU. Je nous te dis à compagnie ça lui-même il pas décidé répondre sous dossier ça. Compagnie a te promet mercenaires ça yo yo t'appelle assurer sécurité un candidat à la présidence mais yo pas contact t'appelle passer. Donc ça c'est déclaration colombien yo qui kounye a pénitencier. À noter monsieur ça yo en parlant des 5 colombiens ça yo t'ap vive ensemble, yo tap travail tout près kay président avant même yo assassiné. Donc yo tap monté tout bagay yo. Et bien selon nan 8 7 juillet, groupe nèg sa yo entre nan pèlerin pou yal fize président. Et nèg yo di yo pat konnen. Ka don koze mes amis. En tout cas, est-ce que yo innocent vrai? J'en parle ya. Tenez une information que yo bay. Information ça mes amis, ça li pral fè nou saisi. Yo si kon sa se trompe yo, trompe yo. Vrai responsable. L'homme Jovenel Moïse yo de yo. Pourtant yo même yo la, te a pige yon pen. Pourtant yo innocent. Ça c'est déclaration que yon nan Colombien yo, yo même fait. Bon, ça nous pense. Est-ce que nous pense c'est menti nèg yo a bay? En tout cas, li difficile pour nèg yo même yo pat konnen
c'est président yo t'a pral touyer. Pas oublier qui ton commentaire pour nous sous dossier ça pour nous dire nous ça nous penser. Est-ce que nèg yo pas te connaît vrai? J'ai dit yo innocent. Et nèg yo tout yo parler tout sous situation que y a vécu, gens qui y a mal mangé, gens qui y a mal dormi nan pénitence. Mes amis, nèg yo dit comme ça que c'est trompé yo. Yo pas connait si y touyer yo t'a pral touyer mon président. D'ailleurs, yo te vinn en Haïti en façon pour yo te capable assurer sécurité yo moun qui te pral candidat à la présidence dans pays d'Haïti. En tout cas, mes amis, c'est comme ça bagaille nous même nous pas faire trop commentaire sur ça. N'a continuer parler sur la mort Jovenel Moïse. Jovelin, you nèg ka fait tout ça li capable pour papa li joindre justice, commencer joindre bon résultat. You une action li te posé, c'est que li te invité ONU Nations Unies pour l'ouvrir une enquête libre et indépendante sous la mort Jovenel Moïse. Eh bien, ONU répond Jovelin. Message Jovelin écrit sous compte Twitter. Il dit ONU répond moi sur enquête indépendante. Kounyea, moi cap alors moi ensemble avec tout avocat mio cap parler avec Nations Unies officiellement sur enquête là. Avocat mio a travaillé d'arrache-pied dans objectif pour dossier ça venir dossier international. C'est pour tout monde connaît qui monde qui participer soit directement ou bien indirectement. Non la mort Jovenel Moïse et puis c'est pour moun sa yo joine arrestation yo jugé et puis condamné. En tout cas mes amis, Jovelin qui nous qui a travaillé dur une façon pour Jovenel Moïse lui-même li joine justice, dossier ali pour l'autre phase qu'on y a ensemble avocat yo capable parler ensemble avec ONU une façon pour yo capable voir qui ça que ONU lui-même li capable faire pour lui aider yo dans dossier ça. En tout cas, nous allons suivre dossier ça de près. Quel que soit actualité qui gagne, quel que soit information qui gagne, on met branché sur channel ça ou ajouter information. L'autre information encore, Michel Materi annoncé li camper tout balle li était déjà programmé pour fin année. Attendez quoi mes amis? Michel Materi, bandit légal, j'en li connait les têtes. Il y a un qui fait comme s'il pas fait rien, li camper tout balle li était déjà programmé pendant fin année. Qui raison? Est-ce que nous songe vidéo ça? Côté que te détaillé article là pour te montrer nous qui rapport Michel Materi lui-même il t'a gagné ensemble avec Jovenel Moïse. C'est un article qui sorti dans le journal New York Times. Côté que yo t'allongé droite bien long sur Michel Materi dans assassinat Jovenel Moïse. Nous songer nous t'ai parlé de journal ça côté que yo accusé Charles Kiko Saint-Rémy qui c'est beau-frère Michel Materi qui t'a impliqué tout dans la mort Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse lui-même il t'a dressé une liste qui gagne tout dealer drogue dans pays d'Haïti et d'ailleurs Jovenel Moïse te dit moun qui t'a dressé liste ça malgré ses papal malgré ses maman depuis dans deal drogue c'est metel c'est peut-être ça t'a semblé Jovenel Moïse lui mouri eh bien ça qui gagne impact sur Michel Materi parce que journal la li accusé et c'est un journal qui vraiment populaire en pile monde le journal ça Michel Materi lui-même l'obligé camper tout programme li te gen pour jouer pendant fin année pas oublier dernier bal que Materi lui-même li te jouer te obligé avec deux agents sécurité qui t'a protégé. En tout cas mes amis, c'est comme ça situation yé. Michel Materi qui dans une situation qui difficile et Jean Bagayo là mes amis, c'est vraiment grave ça yon ti gens en pile monde trouver ça li anormal pour Michel Materi lui-même on est qui dit li pas pechay yon bandit légal pour li camper tout programme te gagné pendant fin année. N'a suivre dossier de près dossier ça en façon pour nous capable porter bon gens information pour nous pas oublier depuis nous tande yon information sur tande causé nous mettre prendre pour l'évangile pas bien nous même nous faire effort pour nous décortiquer information yo nous façon pour nous capable porter au ban nous gens yo yé sans force côté parce que nous-mêmes nous pas gain un parti politique qui soutient nous, c'est fanatique nous qui supportait nous, c'est fanatique nous qui supportait nous, c'est eux-mêmes qui aider nous, pas gain l'autre monde encore, c'est nous-mêmes mes amis. En noir pour l'autre information, c'est un peu triste de capable dire ça, c'est vraiment drôle. C'est concernant corruption dans le pays d'Haïti. Ancien directeur Office National d'Identification, ONI, Jude Jacques Elibert, yo interdit pour quitter pays ya. Et c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine qui mettait interdiction de départ ça contre Jude Jacques Elibert. Qui ça yo reproché monsieur? Yo reproché monsieur comme qualité déchirpillé institution
li tap travay la dan. Pabliye misè li te direkteur jeneral ONI, ki se Office National d'Identification. Donk misè li menm li tap travay la dan, li de chepye institisyon sa. Eh bien, Jid ta vole 16 moto, ta de koze mes amis. Plizye laptop, Delco, batri, pano soley, e la triye. Misè pote ale, tout sa jwen, selon sa on employe kap travay nan institisyon sa, fè konen. Mes amis, gardon koze. Sa vle di, eske se ta vwe pou nek ta dwet long pou sa? Bon, excuse me. Est-ce que c'est ta vrai mes amis? Monsieur ça qu'on a qui en gros difficulté, Jules Jacques Elibert parce que monsieur lui-même il t'a déchappé institution ça à côté, il volait en pile bagaille. Nous tendez 16 motos, plusieurs laptops, Delco, batterie, panneau solaire mes amis. Eh bien, nek ça c'est seulement local la boule de prince seulement. En tout cas mes amis, c'est situation mes amis, corruption tout partout dans le pays d'Haïti. Ça c'est cas que yon ancien directeur général Office National d'Identification Jude Jacques Elibert mes amis qui gen gros accusation sou li. En tout cas mes amis, n'attend pas oublier pour kounye a mettre Jacques Lafontaine invité ancien directeur général ONIAN pour venir répondre question la justice sur cap 21 décembre 2021. Est-ce qu'il y a tout fait men? Nous pas connait à la cause de mes amis dans la République. Dernière information que nous avons pour nous, yo interdit pour moun ri pendant 11 jours dans pays Corée du Nord. Ka don koze? Ça c'est des bagages que nous pas même quoi. Il a fait côté que yo interdit moun pour yo ri. Eh bien mes amis, ça fait. Dans occasion 10e anniversaire la mort Kim Jong Il qui c'est papa monsieur ça lui même qui dirige journée aujourd'hui, qui c'est Kim Jong Il qui mourit en 2011, eh bien ça fait monsieur 10 ans depuis le mouri. Gagne un deuil national. Deuil ça l'a duré 11 jours. Eh bien pendant 11 jours ça, moun pa gen droit ri. Moun pa gen droit boire alcool et moun pa doit montrer yo content. Pas besoin pas pour ta faire fête. C'est comme ça situation est. Bon peut-être nous gen droit mandé. Et si yon moun ta ri? Et si yon moun ta boire alcool, qui ça ka privé ensemble avec? Eh bien, si yo ta rencontre yon moun, soit apri, soit abre alcool, ou bien montre li content, y a arrêté le comme criminel. Et moun sa li même li quand même perdi la ville. Gen koze pou n'tande sou bout de sa, mes amis. En tout cas, mes amis, c'est gros koze, ça c'est loi que yo passé dans pays Corée du Nord, côté que moun pa gen droit ri pendant 11 jours. En tout cas, c'est toute information ça on te pote pour nous, pas oublier quitte opinion nous sur dossier ça. Si gen quelque bagaille ou pas remen dans vidéo yo, nous capable dire nous ça, quitte un commentaire pour nous faire nous compte ça et ça permet que nous améliorer nous de plus en plus. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.